aller voir quelque chose. Cela, je filme le soir. Désolée pour la luminosité. On va essayer de faire avec. Donc c'est parti. On s'est vu ce mercredi 6 décembre. Donc vous aurez la vidéo un peu plus tard. Donc c'est parti. J'ai hâte de découvrir le soir. Alors déjà, il est bien rempli, hein. Et j'adore le petit sac. Trop bien. Donc c'est parti. On a fait un peu un swap de dernière minute, c'est moi qui lui ai proposé. Voilà. Donc, premièrement, alors donc on n'a pas fait de menu. Hein. Moi je m'avais mis, je lui ai mis, vous verrez dans son swap, je lui ai mis juste des petites étiquettes avec des petites indications. Alors là, moi je ne sais pas, je dirais soit un gel douche, soit une lotion pour le visage. Et moi je trouve ce que tu as fait, Karine, je sais que tu passeras par là, je te fais des gros bisous, ma belle. Et je trouve que ce que tu as fait, c'est mieux parce que comme ça, il y a la surprise plutôt que de mettre des petites indications. Donc moi je dirais soit une lotion pour le visage, soit un gel douche pour le corps. Donc c'est parti. Ah, c'est une mousse. Ouh, que je ne connais pas du tout. Christian Ménard, brume d'eau de rose. Ah, ça c'est top. Ah, puis alors moi j'adore, vous savez, j'adore me passer de brumisateur d'eau enrichi en huile essentielle de rose de Damas. La brume d'eau rafraîchit, hydrate et tonifie la peau du visage et du corps. Alors ça c'est vraiment top. C'est vraiment une nouveauté pour moi, je ne connais pas du tout. Je l'avais jamais vu au magasin. Bébé, enfant et adulte. Donc, aux extraits de rose, rafraîchit, hydrate et tonifie. Donc, j'ai vraiment hâte de le tester. Je vais le tester dès ce soir. Ah, je suis super contente. Je prends mon petit sac. Donc, j'espère que la vidéo ne va pas couper. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps. Alors, ensuite, c'est encore un flacon comme ceci. Donc, là, je pense soit un gel douche, soit une lotion pour le visage. Ou un dépapillon peut-être. Je pense que c'est un produit de chez Nose. Oui, c'est ça. Ah oui, j'ai souvent vu dans les hauls Nose. Ah, ça c'est top. Ah, ça c'est super bien. Regardez un peu. Oh, ça a l'air de sentir bon. Donc c'est un crème, c'est une crème de douche Black Currant, le verger. Donc c'est le Verger Shop. Formulée à partir d'extraits de cassis, cette crème douche onctueuse laissera une sensation de douceur parfumée et tonifiante, etc. sur la peau. Alors ça c'est vraiment top. Le Verger Shop. J'ai déjà deux petits parfums de cette gamme-ci, donc vraiment top. Et franchement, l'ouverture est vraiment géniale comme ça. Eh bien, encore un produit que je ne connais pas, hâte de tester. Ensuite, un paquet comme ceci. Alors, je ne sais pas. Moi, je dirais un petit cahier. Papier est vraiment beau et c'est vraiment bien emballé. Je pense que c'est un petit cahier à spirale. C'est trop beau. C'est un flamant rose. Ah, j'adore. Mini carnet. Donc, je vais l'ouvrir. Je pense qu'il a des spirales. Moi, j'adore les carnets. Hein. On le sait, Karine. Les flamants roses, tu adores, moi aussi. Je n'ai jamais vu celui-ci. Il est vraiment beau. Hein. Je sais pas si. Je pense qu'il vient de chez Action. Il est vraiment très, très beau. Hein. Vraiment top. Hein. Ah bah, merci beaucoup, ma belle. Ensuite, un autre paquet. On va prendre celui-ci. Alors moi, je dirais soit un blush, soit un fard à paupières. Alors moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai mis pas mal de scotch parce que le... Ah non, c'est pas ça du tout. Ah, c'est encore mieux. Ah, c'est encore mieux. Parce que mon papier était un peu brillant, il glissait et je crois que j'ai mis un peu trop de scotch. Oh, c'est une Yankee Candle. Cranberry pear. Donc c'est canneberge poire. Oh là là. J'adore les
les Yankee Candle. Je la connais pas du tout, cette senteur-ci. J'ai l'impression que c'est une poire chocolatée. Oui, c'est ça. Oh là là. Ah, ça, vraiment, pour l'automne, pour un effet cocooning le soir, pour un moment cocooning le soir, ça va être vraiment top. Hein. Elles sont super bonnes. J'adore les Yankee Candle. Merci beaucoup, ma belle. Je vais essayer de rapprocher mon sac. Voilà. Désolée. Ensuite, un autre petit flacon comme ceci. Alors là, je ne sais pas du tout. Aucune idée. Il y a un petit carton comme ceci. Je pense que c'est peut-être pour le visage. C'est une miniature peut-être. Donc, c'est Sprinting Flower Eau de Parfum Black Onyx. Oh, ça c'est top, j'adore le parfum. D'ailleurs, je t'en ai mis une aussi dans notre swap. Alors, ça a l'air de sentir bon. C'est une eau de parfum en plus, Springtime Flower. Ah, ça j'adore. Bon, je ne vais pas le pchiter. Ça a l'air d'être une odeur assez fraîche. Moi, j'adore. Hein. Franchement, eau de parfum en plus. Black Onyx. Alors ça, c'est vraiment, vraiment génial. Moi, je suis vraiment une Miss Parfum. Hein. Bah, merci beaucoup, ma belle. Alors, je suis super contente. Ensuite, un produit comme ceci. Donc, je dirais peut-être un petit gel douche. Ou j'adore les formats comme ceci. Ou alors peut-être un lait pour le corps. Coco savon douche. Alors ça c'est top. J'adore la noix de coco. Donc c'est un gel douche. Ah ça c'est top. Ça sent vraiment très très bon. Et c'est comment vous dire? Ça fait un peu un gel transparent, comme vous voyez. Oh, ça sent super bon. Celui-ci, je vais le garder pour les vacances. Les prochaines vacances au mois de juillet ou août. Franchement, génial. Hein. Ensuite, on va attraper un petit paquet comme ceci. Donc, moi, je dirais que c'est un rouge à lèvres. Ah, par contre, moi, je n'ai pas mis beaucoup de make-up. J'espère que ça te plaira. Surtout, n'hésitez pas, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Si je t'ai mis un peu de make-up quand même, ce sera une surprise, tu verras. Je pense que c'est un rouge à lèvres. Ah, c'est de la marque LOL. C'est un orange. Waouh, je ne l'ai pas du tout celui-ci, c'est le Blaze. Voilà, il est très 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 beau. C'est un orange un peu foncé. Donc je ne vais pas commencer à vous faire les swatchs. En plus, il est fermé. Et franchement, génial. Hein. Alors moi, la marque LOL, j'adore. Et la marque Biss Maquillage, franchement, c'est une tuerie. Hein. Franchement, testez-les, ils sont géniaux. Hein. Donc c'est le Blaze, le 07. Ah, un sans faute. Ah, je suis super contente. Alors, surtout, prenez un verre de coca, un café. Au passage, je prends un petit coca. J'essaie de pas trop tarder pour pas que la vidéo se coupe. Sinon, au pire, je ferai en deux parties. Alors, pardon, j'ai commencé à ouvrir. Je pense à un mascara. Ah non, c'est un gloss pour les lèvres. Lip Gloss Host. Il n'y a pas de numéro. J'arrive pas à voir. Donc c'est le Master Gloss. Alors moi j'adore les gloss. Je pense qu'il vient de chez Nos. Je ne vous ai même pas montré le packaging. Tellement que je suis impatiente. Donc je ne vais pas vous faire de swatch comme je vous ai dit. Regardez, il est transparent, légèrement pailleté. Ah ouais, avec des nacres. Ils sont super bons. Franchement, un sans
faute. Hein. J'adore. En plus, que des produits que je ne connais pas. Ah, même la Yankee Candle, je connais les tartelettes, mais l'odeur est franchement divine. Alors ensuite, un autre paquet comme ceci. Donc je pense à une soit une Yankee Candle, soit une petite palette. Donc c'est parti. Au passage, ces paquets sont super beaux. Oh, ça doit être de la marque... voilà, c'est ça, Lovely Girl. Oh, j'adore. Je connais cette marque-ci. L'année dernière, tu m'avais offert un bleu turquoise que j'adore d'ailleurs. Et là, c'est un rose Lovely Girl. Il n'y a pas de numéro 6, c'est le 05. Donc, c'est un rose perlé nacré. Je ne sais pas si vous verrez les paillettes. Désolée. On voit mieux comme ça, vous voyez un petit peu. Il est sublime. Il est sublime. Hein. Franchement, j'adore cette marque. Vraiment au top. Ensuite, nous avons un petit paquet comme ceci. Je pense encore à du maquillage. Peut-être un petit gloss en style, enfin en peau. Ou un fard à paupières. Peut-être poudre. Quelque chose que je ne connais pas, c'est PS à la mangue. Donc c'est Primark. Alors ça j'adore. Enfin j'adore. J'avais envie d'avoir des produits de chez Primark. C'est un gloss à la mangue. Alors ça c'est vraiment top. Hein. Oh, comme je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment envie d'aller chez Primark. De faire peut-être moins de haul action, mais... d'aller faire une fois un petit craquage chez Primark. Donc c'est un PS Love à la mangue, donc c'est un gloss. Alors franchement, un gloss ou un hydratant pour les lèvres. Oui, c'est ça. Alors là, je suis vraiment très contente. Hein. Il sent super bon, il est vraiment top. Alors, je suis très contente. Oui, c'est un baume pour les lèvres à la mangue, au top. Ensuite, nous avons un paquet comme ceci. Alors ça, je pense à une autre à paupières. Purée, hein. Pardon, purée, je disais, à 100% sans faute. Hein. Je suis vraiment très très contente, hein, franchement. J'espère que mon swap te plaira. Un fard à paupières, oh, un magnifique vert qui vient de chez Noz. Moi qui avais envie de tester des produits de chez Noz, j'en ai déjà quelques-uns. C'est un vert métallisé. Là, je pense que vous verrez bien la couleur avec des paillettes. Moi, j'adore tout ce qui est paillettes. Il est vraiment top. Donc celui-ci, c'est le turquoise reflet vert, ombre à paupières. Et c'est de la marque, ah non, White on Dry, donc c'est tout, c'est mouillé. C'est la marque Via Vittorio Veneto, donc je pense que c'est une marque italienne. Vous pouvez l'utiliser sec ou mouillé. Turquoise reflet vert, franchement il est vraiment très très beau. Hein. Je vous remontre un peu. Vous avez des paillettes bleues, vertes, il est vraiment très très beau. Hein. Top, 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 top. Ensuite, un paquet comme ceci. Alors moi, je pense à des masques. Un masque plutôt. Je ne saurais pas du tout. C'est un petit cahier. Ah, j'adore. Oh, un petit cahier. Ça fait un peu ethnique. Ah, ça, j'adore. Regardez, un petit cahier ligné. Moi, j'ai jamais assez de papeterie. De toute façon, j'adore. Pour préparer mes vidéos, enfin mes vidéos, pour noter des idées, tout simplement, des idées de vidéos. Je m'en servirai pour des idées de vidéos. Je suis vraiment super contente. Ensuite, donc ça, tu m'avais dit que ce sont des surprises pour Noël. Donc, je pense peut-être à un coffret pour la douche. Regardez au passage les petits rennes. Le papier est super beau.
Donc je pense à un coffret de chez Action, je pense. Peut-être pour la douche. Vous avez dit la dernière fois que vous n'avez pas trouvé les coffrets de douche. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Oh, celui-ci, en plus, je le voulais trop. Il est hyper bien lui. Voilà, c'est celui-ci. C'est une crème pour les mains. Donc ça, celui-ci vient de chez Action. Crème pour les mains. C'est pas marqué l'odeur. Bah écoutez, je vais le déballer. Franchement, regardez, ça fait un super cadeau pour Noël, pour offrir. Moi, ça me fait super plaisir. Alors, par où je vais l'ouvrir? Regardez un peu. Moi, je vais le remettre dans son packaging. Hein. J'aime trop. C'est de la marque Follow Your Heart. Donc, cœur. Oh là là. Donc, une crème pour les mains qui est d'une contenance de 100 ml. Un maxi format en plus. Hop là. J'adore le packaging. C'est un peu comme, vous savez, comme les tubes de peinture. Alors, ça sent divinement bon, une tuerie. Ça sent à la fois, c'est quelque chose de sucré. Je vais le tester sur les mains. Parce que vraiment, oh là là, 100 ml. L'odeur est divine, Pierre. Moi qui ai toujours les mains sèches, c'est génial. L'odeur, elle est franchement divine. Regardez un peu le packaging avec un petit cœur. Génial. Alors, désolée pour le bruit. Mon fils vient de rentrer. Très hydratante. Pas collante. Elle est géniale. Génial, génial. 100 ml en plus. Waouh, là je suis vraiment gâtée. Hein. Merci beaucoup Karine. Je vais ressentir l'odeur parce que vraiment. Oh, j'adore cette odeur. Oh là 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 là. Moi je ne le trouvais pas dans mon action là. C'est vraiment contente. Hein. Moi je vais le laisser dans son petit packaging. Eh bien franchement, génial. Hein. Alors ensuite, dernier paquet. Toujours un paquet de Noël qui est vraiment très très lourd. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quelque chose qui se casse, je pense. Donc, je vais prendre des ciseaux, je vais faire très attention. Oh là là! Donc, c'est un coffret de bain de chez Action avec un support en bois. Alors, ça, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu dans le haut non plus, je ne crois pas. Alors, vous avez. Une lotion pour les mains. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Vous avez... Bah, écoutez, je vais l'ouvrir carrément. Regardez comme c'est beau. Franchement, superbe cadeau de Noël. Hein. J'adore. Oh. J'adore, j'adore. Oh, je suis vraiment trop contente. Je vais faire attention de ne pas perdre... Petite déco de Noël. Alors, comment je vais faire? Je voudrais récupérer la petite coque qui fera vraiment trop trop bien. Hop. Je vais le mettre sur pause. Et voilà, regardez un petit peu comme c'est joli. C'est magnifique. Les packaging sont super. Voilà, c'est pas grave du tout, j'avais fait tomber quelque chose qui cassait pas, heureusement. Donc je vous disais, regardez comme c'est beau. Ça, après, je vais pouvoir le réutiliser. Vous avez un support comme ceci. Vous mettez votre donc, lotion pour les mains, onde lotion premium. C'est ça, c'est une lotion pour les mains. Donc je vais sentir. Là, j'ai quand même hydraté les mains. Oh, l'odeur, elle est super. Elle est différente de l'autre. Oh, une tuerie. Hein. En plus, c'est en flacon pompe. J'ai jamais vu ce coffret-ci. Franchement, il est trop beau. White Peony.
J'ai déjà vu cette marque aussi dans un hall, dans des halls action. Et pour la douche, bon, comment vous ouvrez? Open. Ah oui, mais j'ai mal dévissé, j'ai mal revissé. Bon, ouvert et fermé. Bah, écoutez, je vais la tester. Elle est fermée. D'accord, j'ai compris, il fallait bien le dévisser. Donc je vais le tester. Ça pour la salle de bain, ça va être super pratique. Regardez un peu la texture. L'odeur est divine aussi. Donc je vais essayer de pas refaire tomber quelque chose. Ça sent super bon aussi. Et ça, c'est génial. Vous mettez ça dans votre salle de bain. Vous mettez ça. Oh, c'est génial. Et le savon pour les mains, par contre, je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Franchement, ça fait une superbe idée de cadeau, hein. Regardez un petit peu. Les packagings sont superbes. White Peony Premium. Premium White Peony. Donc, hand wash, donc gel douche. Enfin, gel lavant pour les mains. Frotter, oui, c'est ça, et rincer à l'eau tiède. Et l'autre, qu'est-ce qui est marqué en français? Appliquer directement en léger massage pour les mains. Parfaitement nourri, protégé et hydraté. Qui reste douce et lisse. Voilà, bah franchement, un superbe cadeau de Noël. J'ai donc celui-ci en cadeau de Noël. Et donc la crème, franchement, qui est super aussi. Regardez un peu les packagings. Je n'ai pas remis. Moi, je vais garder le packaging là pour l'instant. Franchement, elle est trop belle. Hein. Regardez un petit peu. Ça vous offrez ça pour Noël. Regardez comme ça fait plaisir. Moi, je suis vraiment trop contente. Hein. En plus, j'ai eu du make-up, une bougie Yankee Candle. Regardez un peu. Alors, l'odeur. Si vous allez à Action, allez la sentir. Allez. Elle a une odeur divine. Je comprends pourquoi le rayon est toujours vide de cette crème-ci. Hein. Donc, franchement, j'ai été super gâtée, ma belle. Donc, vraiment au top, les maquillages. Au top, au top. Là, le petit gel douche, j'ai hâte de le tester. Vraiment top. Puis alors là, dès ce soir, je vais tester la brume pour dos de rose. Vraiment top, la petite Yankee Candle. Le petit parfum aussi. Et tous les maquillages que j'ai eus. Franchement, génial. À glisser dans le sac. Le petit gel douche à la noix de coco. Enfin, tout me plaît. Et le petit sac, moi je vais le garder. De toute façon, je vais garder les petits packagings. Je vais garder ce packaging-ci. Et ça, franchement, c'est vraiment génial. Pour poser dans la salle de bain, c'est super. Ou sur un meuble, ou dans la cuisine. Dans la cuisine, il faut faire attention, c'est du bois. Eh bien, franchement, je te fais des gros bisous, ma belle. Énorme bisous. Et donc, je vous mettrai son swap en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir. Et surtout, à vous abonner à sa chaîne. Elle fait beaucoup de revues scrap, des échanges scrap, etc. Eh bien, écoutez, des gros bisous à tous. J'espère que ce ne sera pas notre dernier swap. Je vous fais de gros bisous à tous et de gros bisous à toi. Des gros bisous. Bye bye.